1967. Mais je suis née en Indochine. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était institutrice. J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec 2 frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas. 1954, des journées entières dans les arbres. Je ne vous retiendrai pas, monsieur, une minute. Je voulais vous demander une chose sans importance. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu mon fils et je ne sais pas au juste ce qu'il peut bien faire chez vous. Depuis quelques années, je suis très soucieuse de savoir si j'ai le droit de me mêler des affaires de mes enfants parce qu'il y en a tellement qui, à leur âge, sont délivrés de toute surveillance. C'est pourquoi vous pouvez, si vous... Le cadre dans lequel se passe l'action de un barrage contre le Pacifique n'est nullement imaginaire. Il s'agit très précisément d'une ex-colonie française des environs de 1925-30. C'était la grande époque. La mise en culture de la colonie battait son plein. L'administration locale distribuait à des particuliers des territoires inoccupés, encore en friche, des concessions, sous condition de leur mise en valeur dans un délai donné. Mais que se passait-il en fait ? Le Square. Il est 4 heures de l'après-midi, c'est presque l'été, et on est dans un square parisien. Il y a là une jeune fille, une de ces jeunes filles qu'on voit souvent, qui gardent les enfants des autres, et un voyageur de commerce. Il se trouve qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre, sur un banc, et ils parlent. C'est la matière du Square, ils parlent de l'essentiel de leur vie et de leurs conditions. 1958, Moderato Cantabile. J'ai voulu le traiter par le dialogue pour laisser le lecteur du livre le plus libre possible d'interpréter ce dialogue. C'est pour ça que j'en suis passée par lui. J'ai voulu faire d'abord un roman d'amour, mais j'ai voulu recharger le langage de tout son poids érotique. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu que ce langage-là tienne lieu d'actes d'amour. Hiroshima mon amour, film. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli. Non, tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis doué de mémoire. Je connais l'oubli. Non, tu n'es pas doué de mémoire. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. 1961. L'usage de la parole, lettre de Lewis Carroll à des petites filles. J'aurais dû vous écrire plus tôt pour vous remercier du sonnet. Surtout n'allez pas croire que je ne vous ai pas écrit. L'après-midi de Monsieur Andesmas. En exergue, il y a un commencement d'explication à la chose, c'est que il y a un an, on m'a invité à voir une maison dans le Midi. Une petite maison au bord de laquelle on allait construire une terrasse. Cette maison était sur une colline, est encore d'ailleurs sur une colline, dans un éclairage extraordinaire. Et j'ai commencé à penser à cet endroit. J'y ai pensé très longtemps et... 1967, les Eaux et forêts. Évidemment, pour un auteur, c'est un changement extraordinaire que d'être de l'autre côté de la Seine. Il y a une tentation qui est constante, qui est celle de réécrire ou d'écrire davantage ou de modifier le texte. N'est-ce pas ? Alors on peut dire que c'est une plaie pour les comédiens, mais en même temps, c'est aussi un rassurement immense parce que le comédien peut demander à l'auteur d'adapter son texte. Le spectacle que nous allons voir, Yes, peut-être, et Le Shaga. Ce sont 2 pièces comiques. L'une a un sujet réaliste. C'est la première pièce populaire que j'écris, d'ailleurs, qui est la destruction de l'impérialisme yankee. Et puis l'autre a pour sujet le comique des idées reçues, des sentiments reçus. Ça veut dire que c'est sans thème. Ce sont des moments de théâtre. moment où je t'ai connu, hélas follement, je n'ai pas cessé de penser à toi comme un instant. L'amante anglaise. Un crime vient d'être commis à Viorne, en Seine-Oise. Votre femme, Claire Lane, dit être l'auteur de ce crime. Elle a avoué au Café Le Balto, le soir du 13 avril dernier, en présence de différentes personnes, dont vous. Un livre va être fait. Qu'est-ce qui est le plus beau de tout? C'est Noël. Et l'été. Rien n'est plus beau que l'été. Et aussi, j'aime beaucoup quand c'est l'automne parce que on mange des châtaignes devant le feu. Quand c'est le réveil des poules qui chantent le matin, je sais que c'est 9 h parce que les poules chantent, alors je sais que c'est 9 h. La Musica. Marguerite Duras ne donne pas de nom à ses héros. Elle et lui, simplement. C'est ainsi qu'on les désigne. L'action se déroule dans un hôtel d'Évreux. Le divorce entre elle et lui a été prononcé dans l'après-midi. Ils se retrouvent là après l'audience. Chacun a de son côté refait sa vie depuis la séparation. Maintenant que tout est joué, va commencer entre eux ce long dialogue sur les souvenirs, sur un passé qui n'est pas mort. Elle, c'est Delphine Seyrig, lui, Robert Rosset. C'est une femme du monde, Suzanna. Je dis d'ailleurs dans le programme que je ne l'ai jamais rencontrée. Les critiques ont eu tort de traduire, elle ne m'a jamais intéressée. Justement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle m'a toujours intéressée. Je l'ai vue de loin dans des restaurants de la Nationale 7 qui vont vers le midi, dans des rues de Paris. Mais je ne l'ai jamais abordée, donc je l'ai inventée, il m'a semblé. Il s'est passé avec Détruire, oui, quelque chose qui m'échappe d'ailleurs un peu. Si je peux dire quelque chose là-dessus, je dirais que mais qui a été pour beaucoup, n'est-ce pas? Mais puis, le fait que je suis restée longtemps, des mois, sans écrire du tout, ce qui ne m'était jamais arrivé. Des mois à me demander si j'allais continuer, si j'allais recommencer à écrire. J'ai écrit contre moi, quand je me suis remise à écrire. 1972, le ravissement de Lol V. Stein. Le bal tremblait, au loin, ancien. Seule épave d'un océan, maintenant tranquille, dans la pluie, à S. Tahla. Tatiana, plus tard, quand je le lui ai dit, a partagé mon avis. Ainsi, c'était pour cela qu'elle se promenait, pour mieux penser au bal. Aban, Sabana David. Quelle forêt? Demande Aban. Des larmes coulent des yeux de Sabana. Elle cherche. La forêt. Tu ne sais pas ce qu'il y a après ici. Où est la forêt? Elle cherche. Où? Je ne sais pas. On en parle? La forêt sauvage, dit le juif. 1974, l'amour. Le voyageur attend ailleurs. Il les attend dans le hall de l'hôtel. Il les attend à une autre heure, de nuit dans le hall de l'hôtel. Le hall a changé d'aspect. Les glaces se sont ternies, les fauteuils sont face aux glaces, rangés le long des murs blancs. Seules les plantes noires sont encore à leur place. Marguerite Duras, ou le ravissement de la parole. Deuxième... La Lancia noire s'est arrêtée. Comme une question. La Lancia noire s'est arrêtée. Dites-la où, alors. La Lancia noire s'est arrêtée. La Lancia noire s'est arrêtée, comme vous le disiez. La Lancia noire s'est arrêtée. La pluie. Les routes sont coupées. Il s'était abrité dans une sala. C'est là qu'Anne-Marie Stretter porte une robe noire, celle qu'elle portait au bal de S. Tahla, celle qui est décrite dans Le ravissement de Lol V. Stein. Les hommes sont en smoking noir, à l'exception du vice-consul de France à Lahore, qui est en blanc, qui porte un smoking blanc. Les autres femmes de la réception sont en robe longue, de couleur. Si tu veux qu'on peut prendre ton dialogue avec Anne-Marie Stretter à la fin du livre. Conversation entre Anne-Marie Stretter et le vice-consul à voix basse mais violente. Très lente. Tu as des indications sur ta voix un peu plus haute, tu as remarqué? Oui. Où ça? Ah oui. Attends une seconde. C'est une véritable polyphonie, oui. Tu as d'abord les acteurs, ce que j'appelle les conversations qui ont ce que j'appelle les conversations privilégiées. Ensuite, tu as les voix des invités. On a souvent dit que mes livres étaient faits. Comme la musique est faite, c'est toujours une chose qui m'a beaucoup touchée, étant donné l'importance que je donne à la musique. Mais je pense, si je peux avoir un avis, que c'est vrai. En tout cas, pour India Song, livre, et India Song, film, c'est vrai. N'est-ce pas? Puisque tout démarre, tout le film part, si vous voulez. Festival de Cannes, 1975. Je suis là depuis 3 jours, je n'ai pas vu un seul film. Je n'arrive pas à m'y intégrer. Je ne sais pas où me mettre à Cannes. C'est un problème, il n'y a pas tellement de bistrots. Les chambres sont loin. Les cinémas sont pleins. Il y a très... Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive ? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent les faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Ça n'existe pas, c'est une fausse question. Le film, le camion. La perte du monde a les yeux verts de la mort, la beauté de la jeunesse, de la femme. Elle féminine, la perte du monde. Et ce sont ses yeux qui sont verts, oui. Donc tout est là, je crois. C'est une lecture, on peut le faire soi-même, son laconisme. Tous les gens qui m'écrivent à propos des cahiers me disent on la laisse et on la retrouve, cette revue. 1980. Vous savez, je ne comprends pas toujours très bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est compliqué. Non, mais si dans le couloir a été offert à un homme, je l'ai dit, je crois. Je l'ai écrit pour quelqu'un. Bien longtemps. Puis je l'ai repris. Je crois que c'est impossible de parler de l'homme ainsi. J'ai fait au théâtre du Rond-Point, l'hiver dernier, en janvier, une mise en scène de ce texte, lu. Avec Gérard de Sarthe. Je lis le troisième Aurélia, qui n'a pas été porté au cinéma. Aujourd'hui, derrière les vitres, il y a la forêt. Et le vent est arrivé. Les roses étaient là-bas, dans cet autre pays du Nord. La petite fille ne les connaît pas. Elle n'a jamais vu les roses, maintenant mortes. 1984. Tiens, on pourrait parler de ce frère de légende, monumental. Je dois avoir une photo de lui par ici. En quoi est-ce un frère de légende? Parce qu'il y a toujours dans les familles quelque chose, un défaut, par où la famille fout le camp. Sort d'elle-même. J'aime voyager en France beaucoup. Le voyage, pour moi, c'est la France. C'est curieux, c'est un petit peu comme quand j'écris L'amant. C'est un pays que je soupçonne beaucoup, que je connais. Je connais pas mal, quand même, la France. Mais que j'ai besoin constamment de revérifier. Mais souvent, quand je vois la France, je me dis que c'est ce qu'il y a, ce que j'ai vu, moi personnellement. L'année dernière, à Trouville, on s'était déguisés, avec des passoires qu'on se mettait sur la tête. On avait tous des passoires de cuisine sur la tête. C'est prodigieux. On faisait peur aux gens parce qu'on se mettait sur les balcons. Et ils se demandaient ce qu'était que ces astronautes qui... C'est un souvenir de fou rire, mais à mourir. On sent pas la mort dans l'alcool. Et tout est comme si Dieu existait. Je pense que les gens qui boivent, qui m'écoutent là, doivent reconnaître ce que je dis. C'est Dieu, l'alcool. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et resplendissant. Jamais, dans aucun cas, on doit faire de cuisine pour soi seul. Parce que je pense que c'est ça le chemin qui mène à l'installation définitive du désespoir. Est-ce que le risque est le même que d'écrire pour soi seul? Ça n'existe pas. J'écris pour toi quand j'écris. J'écris pour vous. Si l'autre n'est pas là, on n'écrit pas. C'est menti. Vous écoutez de la musique souvent? Non, je ne peux pas. Vous savez, vivre, c'est beaucoup taire de choses, beaucoup en ressentir, mais ne pas les dire. C'est aussi affronter une solitude essentielle. Et j'avoue que tout ce qui est resté du non-dit. 1986, les yeux bleus, cheveux noirs. Elle se réveille. Elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Il est assis sur le sol, il la regarde, légèrement penchée sur son visage. Elle a un geste de défense, mais à peine de se recouvrir les yeux avec son bras. Il le voit. Il dit « Je vous regarde, rien d'autre. » 1987, Émilie L. Tout ce que fait Émilie, de façon instinctive, dans ce livre, et tout ce que j'ignore qu'elle a pu faire, c'est comme une règle d'or pour moi. et on me proposerait des choses qu'elle aurait pu faire, d'autres amants. Je saurais à l'avance, je saurais même au simple récit. 1990, la pluie d'été. On est plus silencieux quand on a cet appareil. C'est quand même un peu fatigant de parler. Mmh. Très très peu. Au bout de 10 minutes, je ne suis plus fatiguée. Mais j'étais muette pendant des mois, puisque j'avais pas de canule. Et je m'en ressens encore. 1991. J'ai l'impression que les mots traînent sur ma table. Que je prends quand ils apparaissent vite, très vite. Mais non, j'entends rien. S'il n'y a pas la musique, dans les livres, il n'y a pas de livres. C'est-à-dire que 90% des livres ne sont pas des livres. Ce sont des lectures.